Je vais être obligé de tuer quelques colons, malheureusement. C'est un problème. Je crois que je vais pas au bon endroit. Non, ici, il y aura rien. Ça sert à rien de revenir là. Allez, go! Allez, cours, 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 cours. Mass Effect 1, il manque de quelques TP quand même. Des fois. Des fois, je dirais pas non à un TP quand même. Il nous barre l'accès au vaisseau. À mon avis, on devrait déplacer l'un de ces containers. Je suis désolée, mais je peux pas tous les garder en vie, en fait. C'est pas possible. Donc on a quand même des petits conteneurs avec des grenades. En position de tir. Tali. Tali est encore dead. Voilà. Putain, mais t'es sérieux là? Bon, j'ai plus de munitions pour celle-là. Putain. Allez, réveillez-vous, les connards! Ok.
Putain, mais pourquoi ça les relève pas, ça? Ce serait trop bien que ça les relève. Chic de la sauvegarde rapide, hein, ils sont trop prêts. Non, même pas, c'est pas ça. Allez, Rex et Tali, vous êtes repartis? Très bien, moi j'ai un problème. C'est que je ne sais pas où nous avons d'autres grenades. Nous y sommes, commandant. Vous avez déjà piloté une bombe? L'idée, ce serait de ne pas les tuer. Y a pas d'autres... Pas d'autres trucs avec des grenades, là? Putain. J'ai pas envie de les tuer. Je m'en charge. Sorry. C'est bon, c'est fini le combat là. J'essayais de résister, mais il était dans ma tête. Vous ne pouvez pas imaginer une telle douleur. Ces gens me considéraient comme leur chef. Ils me faisaient confiance. Il veut que je vous arrête. Je refuse. Oh. Intensity. Oh, oh buddy. Faydan, sérieux? Putain, mais il s'en est collé une, quoi. Ok, bon. Tant pis. Alors... Ah, c'est peut-être un meilleur compromis, mais ça perd trop de... ça perd trop d'armure. Bon, bah, c'est parti, hein. Oh. Memory. Whoop. Okay. Il ne nous reste plus qu'à trouver cette créature et découvrir ce qu'elle... Elle... Par qui, là? C'est quoi, ce truc? Ça ne ressemble à aucune plante connue. Ça ne me dit rien qui vaille. J'ai pas eu le temps de prendre mon pompe.
intrus. Chacun de vos pas est une transgression. Des milliers de tiges vous jaugent, ne voyant en vous rien d'autre que viande bonne à creuser ou laisser pourrir sur place. Je vous parle au nom de la flore éternelle, comme je l'ai fait pour sa reine. Le taurien vous fait face et vous entoure. Craignez-le et respectez-le. Vous avez donné quelque chose à sa reine, quelque chose dont j'ai besoin. Sa reine cherchait une connaissance disparue. La flore éternelle a écouté parler la chair pour la première fois depuis le début du long cycle. Nous avons conclu un marché. Puis les êtres froids sont venus tuer la chair, préparant le prochain cycle. Une chair donnée de plein gré. L'air que vous exhalez est saturé de mensonges. La flore éternelle n'écoute pas les mensonges. Pas question de laisser ces pauvres gens en esclavage. Relâchez-les tout de suite. Plus jamais le taurien n'écoutera ceux qui marchent. Vos vies sont courtes, mais perdurent depuis trop longtemps. Votre sang sera le terreau d'un... Quelle est la madame? Oh, mais la madame, elle n'est pas toute seule. Pompe. Toi, c'est bien, mais... Ouf. Et puis, pompe. Non, ah non, 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 non. J'ai fait une connerie. Toi, pompe. Toi, flingue ou ça, si tu veux. N'importe. Ok. Commandant, venez voir. Il y a quelque chose par ici. Attends, tu me dis pas ce que je dois faire. Déjà, dans un premier temps, tu sauvegardes. Et j'ai un petit niveau de plus. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu voulais que je voie quoi? Ça?